J'ai une gueule de déjanté. C'est simple, les gars, là on est en safari en Afrique du Sud. Je suis pas du tout coquette. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, on est en safari. Donc les cheveux, c'est pas ça. Moi je m'en fous. Ça va les gars? Vous avez vu, j'ai une trace sur le nez. C'est Inox qui m'a pété le nez pendant ça. Déjà, j'avais une putain de bosse sur le nez. Ça fait super mal. Vraiment, ça fait super mal. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vais pas être toute seule. Je vais aller rejoindre Inox et on va faire... Alors, vous étiez hyper, mais vraiment, vous étiez super nombreux à m'envoyer des messages comme quoi vous voulez que je fasse la vidéo je tue, je ne follow et je me marie avec des youtubeurs avec Inox. Et du coup, bah, c'est simple. Ce matin, je me suis levée à 8h. J'ai fait mes petits papiers. J'ai noté plein de petits noms. Mais du coup, ça va être super cool. Voilà. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. C'est vrai que ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo les gars, mais c'est simple, c'est que bah on est en vacances avec les croutons et j'ai pas d'excuses quoi. Je vous tourne des vidéos mais je vais les publier une fois que je serai rentrée. Parce que je vois les autres là ils galèrent avec le wifi et tout, je me dis pfff. J'ai pas envie de galérer avec à télécharger mes rushs et tout, à les envoyer. Donc voilà, c'est pour ça. Mais en vrai, j'ai pas trop d'excuses. Vous m'en voulez pas? Vous m'aimez toujours? Moi, je vous aime toujours, de toute façon. Bah voilà, regardez, j'ai préparé mes petits papiers. Ils sont mes petits papiers. Et vraiment, j'ai été organisée, hein. J'ai vraiment mis un peu de tout, hein. Et bah, c'est parti. Attendez, pourquoi mon truc de micro est comme ça? Ouais. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les petits gars. Salut, ça va? Bon, on va rejoindre. Mais c'est ouf le micro là. Le micro ça, il pue la merde. Ça fait aucune patience. Ça va? On est allé dans la salle de conférence et on a fait des pendus, des quiz de culture générale. Il y avait un grand tableau et on faisait ça quoi. C'est mieux que d'aller sur TikTok quoi. Ouais, mais bon, j'arrête là. Tu sais que c'est la première fois que t'es sur ma chaîne YouTube? Bah tu filmes là? Ouais. Oh ouais, ça va. Et on est super bien là. Non mais là on est au top là. Il y a des zèbres et tout. Tu sais que ce matin j'ai été déter, je me suis levée à 8h, j'ai préparé ma vidéo. Ah, il y a les papiers et tout. Je dois tuer des gens là. En gros, j'ai fait le concept avec Fab, je l'ai fait avec Pid, j'ai fait avec Bouzy et c'est tout je crois. Et à chaque fois faut tuer des gens. Tu vas tirer 3 noms, il y en a un que tu tues, il y en a un avec qui tu te maries et un avec qui tu unfollow. Mais c'est pas non plus genre faut pas faire la vidéo. Mais unfollow ça veut dire quoi? Tu unfollow des réseaux. Mais tu peux quand même continuer à lui parler et tout, mais tu unfollow des réseaux. Et je dois le faire? Mais non. Ah ok. T'es pas obligé de prendre à cœur la vidéo, tu peux rigoler en mode je sais pas genre je tue Bouzy parce qu'il casse les couilles. Ok ok ok. Et y a pas que des noms de youtubeurs, y a des noms de... De stars et tout. Ouais. Vas-y je commence. Et toi aussi tu dois le faire? Bah oui, il faut chacun. Attends, j'ai combien de papiers là? J'en ai 2. Ok, j'en ai 3. Donc là c'est à moi de commencer. Ouais, j'attends. Donc Michou, mais attends j'ai fait une pioche de baiser. Entre les deux tu vas devoir tuer ou unfollow? Je vais devoir en tuer un ou en unfollow. Et... Thibaut in shape. Ok. Ouf. Ah c'est chaud quand même hein. Bon Thibaut je t'aime hein. T'es mon gars sûr hein. Tu vas le tuer? Bah je suis obligé. Bah oui parce que les deux tu... Je suis obligé. T'es potes. J'aimerais tuer personne mais c'est concept. Je sais ce que tu vas faire. Je l'aime quand même. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas te marier avec Michou. Ouais et bah, donc je l'unfollow. Bah ouais parce que Michou c'est ton gars, c'est ton... Mais doc je l'unfollow mais je lui parle quand même. Tu veux toujours suivre sur les réseaux hein. En vrai j'ai eu un bon truc. Ouais. J'ai eu un bon dilemme, ça va. J'espère que je vais pas piocher des noms parce que j'ai mis des noms que je veux que tu tires. Ah ouais. Justkiad. Ok, ok. Gizzy. Et Dobby. Et Dobby. Oh lo 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 lo. Bon, tu te maries avec qui? Tu dois finir tes jours avec un des trois. En plus, elle, c'est des mecs, donc ça veut dire elle est. C'est pas comme si t'es une meuf où elle va dire la meuf direct. En vrai, je me marie avec Gizzy. Parce que Gizzy me fait vraiment rire. Genre, vraiment, je regarde sa vidéo, il est super drôle. Je ne follow Dobby. Ok. Parce qu'il me casse les couilles. Et Justkiad, je le tue parce que je regarde pas trop. Ok. Oh, il y a une girafe! Mais les gars, la j'aimerais la montrer, mais. Regarde, je sais pas si on voit, mais la vue de baiser. Une vue vraiment de baiser. Pour l'instant, facile. Hein. Pour l'instant, on est bon. Putain, je veux que tu tombes sur des meufs là. Il y a un truc qui commence par un K, j'ai vu là. Premier papier. Lena situation. Kawa. Oh, Kawa. Mais j'ai mis des trucs exprès. T'as fait exprès. Bah ouais. T'as eu de la chance que je l'ai pioché. Et PNL. Oh là 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 là. Oh le dilemme de baiser. Bon bah Lena, désolé, mais. Tu as tué? Ouais, je suis obligé. Après, il y a PNL et Kawa. Tu vas faire mais je dois me marier avec un gars du coup? Ouais. Ça peut être mariage en mode amitié. Non mais c'est mariage, on s'en fout tu vois. Ok ok ok. J'ai rien contre les mecs qui se marient avec des mecs, juste moi... C'est pas ton délire quoi. Non voilà. Mais ton délire. Bah je vais me marier avec un gars. Lena, je suis désolé. PNL tu peux pas les tuer en fait. Et Kawa c'est aussi c'est... Et Kawa c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui et tout. Donc je me marie avec Kawa. Et tu unfollow PNL. Tu les unfollow mais tu les verras toujours PNL partout hein. Oui. Tu les follow mais ils postent jamais. Oui. Donc ouais, c'est en vrai... J'avoue c'est vrai. En vrai j'ai quand même leur Spotify donc c'est bon. C'est pas con du tout. Les abonnés dites-moi. Vous aurez fait quoi vous vos choix? Ouais, dites dans les commentaires. Moi j'aurais fait, je crois que je me serais mariée avec Lena. Bah, c'est vrai que c'est une meuf, j'aurais dû me marier avec. Ouais mais elle a déjà un copain en plus et tout. Oui c'est vrai. Et j'aurais unfollow PNL et j'aurais tué Kawa. Parce que Kawa vraiment je le regarde pas du tout. En fait d'une personne à une autre ça change. De ouf hein. Chacun a ses liens d'affinité. Mais après je suis déjà tombée sur ses streams casino à Kawa. Ouais maintenant il fait ça ouais. N'hésitez pas à mettre votre pouce bleu et vous abonner à la chaîne de la peau et mettre la cloche. Bouzy. Oh. Gotaga. Gota.
Pidi. Pidi. Oh là là là. Je sais qui elle va tuer. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, Gotha, bah, un peu te tue. Hein. Bah non, en plus, je regarde pas Gotha. Okay. Et entre Pidi et Bouzy. Mais je crois que je vais me marier avec Pidi. Hein. Bouzy, ouais, je pourrais pas me marier avec Bouzy. Il lâcherait des tonces toute la journée, je pourrais pas. Tu tonces et tu trottes toute la journée. Je pense pas. Eh les gars, elle fait ça. Non, je rote. Toute la journée, elle. Non, bah non, parce que je n'ose même pas tonce devant Doc. Non, par contre, tonce, ouais, tu tonces pas. Par contre, elle tonce. Et c'est pire que Bouzy. Hein. Pidi, les gars, lâche des tons silencieux. Elle fait genre, on n'a pas entendu, on n'a pas vu. Mais c'est des bombes. Mais c'est des bombes atomiques. Elles durent 5 heures. Je sais pas comment elle fait. Elle concocte des trucs dans son ventre. CP, les elle gars, ils bougent pas de la zone. Genre, le vent fait elle rien. Elle est pourrie intérieure. Ah, elle est pourrie de l'intestin. Toi, t'aurais fait quoi? Moi... Tu serais marié avec Bouzy. Ouais. Mais t'as pas le droit de te marier avec des gens qui sont déjà mariés. Parce que sinon, je me serais marié avec Pid. C'est une meuf. Elle est pas mariée, Pid. Elle a un couple. Oui, mais si elle aurait, elle serait pas avec Val. Mais t'as le droit, c'est bah le oui. jeu. Mais tu serais marié avec Pidi. Bah oui, je vais pas me marier avec. En fait, là, je me suis marié avec des mecs parce qu'en fait, c'est des mecs. Les autres, je les connais pas. La situation, je la connais pas. Donc, parce qu'il y a pas que le physique. Dans la mentalité, Pidi, c'est une fille bien. Ça veut dire, oui, je pourrais me marier. Et t'as une follow qui? Et tu tues qui? Bah, Gotha, je le kiffe sa mère, mais. Et Bouzy aussi, tu le kiffes. Et Bouzy aussi, donc c'est à dire que je suis obligé de tuer Gotha. Mais c'est vrai que Bouzy, tu le vois tout le temps. Donc... Bah oui. Putain, y'a pas encore les noms que. Y'a pas les noms que tu veux que ça sorte? Alors, Fab. Fab. Très drôle, Fab, ouais. Ouais, Je Zoé et l'idéal. Je me marie avec Je Zoé. C'est voilà. Une meuf? Ouais, elle est sympa et tout, j'ai déjà vu. Fab, je l'unfollow. Okay. De toute façon, je le follow pas. Une belle fin, t'es mon gars. Non mais je crois que je le follow sur, sur Insta mais pas sur Twitter ou un truc comme ça. Mais Fab si je le vois tout le temps, je le kiffe. Ouais, hein. Même Fab, je l'aime bien, je l'ai vu au local et tout. T'as cassé ton PC. J'ai cassé son PC, pour ceux qui se rappellent. Et l'idéal, je le tue. Je le connais pas. Je connais pas du pas tout. Spécialement, je regarde pas trop. Okay. Et bon, je sais que des fois, il faisait des vidéos cheloues un peu, mais après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est YouTube, mais, hein. L'idéal, désolé, je suis obligé de te tuer. C'est YouTube, frérot, il en faut pour tout le monde. Bah ouais, c'est ça. Moi, ouais. Je me serais marié avec Fab et j'aurais une photo de Just Zoé. Ouais, bah oui, bah normal. Bah non, j'aurais pu me marier avec Just Zoé comme je me suis marié avec Lena Situation. Ouais, mais après, tu t'es marié avec Pidi. Ouais, après Fab, c'est parce que bah, je le vois tout le temps. Ouais, hein, ouais, c'est pour ça. Si je tombe sur un nom que je veux pas que, je veux que ça soit, je peux le remettre? Non. C'est le jeu. C'est le cas? Andrea. Oh la troll, Seb! C'est pour ça qu'elle m'a posé la question. C'est Andrea. C'est qui? Artiste, Andrea? Bah, c'est ta meuf. Ok, Andrea. C'est ton amoureuse. Non. Si, c'est ton amoureuse. Non, Andrea, artiste. Et Mister V. Et Mister V. Moi, je me marie avec Andrea. Bah, je sais. Jeune follow artiste. Et tu tues Mister V? Ouais, je suis obligé. Moi, je me marie avec Mister V. Tu tues artiste alors? Ah non, tu tues Andrea. Je crois que je tue artiste. Tu tues artiste? Non! Ah, mais tu l'as jamais vu, tu crois? Si, je l'ai vu une fois. Ah, les gars, elle tue artiste, mon gars! Le pire, c'est que je regarde ses vidéos. Hein. Mais voilà, je ne follow Andrea parce que je la follow pas. Mais elle est très belle. Donc je ne follow juste. Bon, artiste, moi je te kiffe en tout cas. C'est un bon gars, artiste. Après, je pense que Mister V aussi, mais je le connais pas donc je suis obligé de le tuer. Tu as déjà vu? Non. Jamais? Non. Benjamin Verrecchia. Verrecchia. C'est qui? Tu vois qui c'est? Pierre Croix, ah c'est Benjamin. Ah si, lui je le kiffe. Ah oh, mais son rire, ouais. Moi je l'adore. Moi, je le kiffe. Benjamin, je l'adore. Greg Guillotin, Valouze. Donc déjà je suis obligé de me marier avec un gars là. Je me marie avec Val. Ah oui, c'est sûr. Jeune follow Greg Guillotin et malheureusement Benjamin Verrecchia. C'est vrai. Je suis obligé de le tuer, frérot. Je connais plus Greg Guillotin que Benjamin Verrecchia. Je regarde toutes les vidéos. Plus Greg Guillotin que ouais. Benjamin. Bah après, ah oui. Là, il peut plus faire pire stagiaire parce qu'il est trop connu maintenant. Ouais, de ouf. Mais à l'époque mais où il le faisait, hein. C'était trop drôle. Hein. Il aurait dû tourner vraiment un maximum de vidéos ouais. Et les poster mais après. C'est ce qu'il a fait, mais il y en a plein qui échouent à chaque fois. Ouais. Et dis-toi, pour un tournage, ça doit lui coûter ouais. trop cher. Là, j'ai regardé tout à l'heure, là, quand j'étais sur TikTok, c'est le truc de JNR. Quand il est dans le studio et lui supprime. Ah oui, avec le rappeur. Ah, c'était exceptionnel. Et moi, je me serais marié avec Val. Non, je crois que je me serais marié avec Verrecchia. Ah ouais? Ouais. T'as rien de follow Val je alors. Je kiffe vraiment Verrecchia. T'as du souci à te faire, Doc. Non mais je follow Pid. Je follow Pid, je vois Val et je tue Guillotin. Billy. Et c'est quoi le papier qui est tombé? Celui. Jules et Catsup. Et Catsup. Je me marie avec Jules. Tu te maries avec Jules? Ouais. Tu sais que j'ai déjà rêvé de lui, hein. Que je sortais avec lui et tout, Jules. Hein. Ah ouais, gore. Je trouve super. Elle dit ça avec des étoiles dans les yeux et tout. Mais je le trouve super mignon, Jules. Non, en vrai, c'est un BG. Les gens, ils disent qu'il est super moche et tout. Je trouve pas. Je trouve qu'il y a son non, petit c'est truc. Un bon. Catsup. Putain, Catsup. Avec Catsup, je ne follow, hein. Et tu tues qui, Billy? Bah ouais, parce que. De toute façon, tu connais pas. Si, je le connais. Je regarde des. Sur TikTok ou sur Twitter, je vois, il y a des petits best-of et tout, ouais. De ces trucs. Il est super drôle, mais c'est vrai que je. Sinon, je regarde. Tu le tues, quoi. Et Catsup, je ne follow, mais vraiment. Ou non, je me marie à Catsup et je ne follow Jules. Comme avec Penel. Jules, je vais pouvoir toujours le voir. Ah, du coup, tu te maries avec Catsup ouais. Si t'as Jules et Catsup qui veulent se marier avec toi, tu choisis Catsup. Ah menteuse. Jules. Bah voilà, bah alors t'es obligé de mettre Jules. Eh les gars, elle essaye de me gruger alors que c'est son jeu. Mais Catsup, je la kiffe. Bah ouais, mais tu l'unfollow. Je suis désolé, Catsup. Bah désolé, Catsup, elle t'unfollow. Toi, t'aurais fait quoi? Bah j'ai pas pioché le papier, je vais pas te dire. Elle veut trop gruger.
TK. Ouais. Merde, attends, j'ai chopé trop de papier. Elsa, Dua Lipa. Oh là là là. Alors déjà, il n'y a pas photo. Il y a zéro question. Je me marie avec Dua Lipa. Je ne passe pas par 4000 chemins. Dua Lipa, c'est direct. Hier, tu m'as dit en plus que... Ah ouais, non, mais les gars, je suis allé voir en concert, c'est quelque chose. Moi, je pourrais être lesbienne pour Dua Lipa. Ah oui, moi aussi, je peux être lesbienne. Moi, Dua Lipa, direct. Les gars, Dua Lipa, faut que je la voie, un de ces quatre. Juste pour lui dire... Mais tu l'as vu en concert, c'est ça? Ah non, mais elle chante trop bien. Hormis le fait qu'elle soit jolie, elle chante trop bien. Je ne follow Elsa. Parce que bon, bah, c'est quand même Elsa, je connais tout. Malheureusement, TK, je suis obligé de le tuer. Elsa, tu viens de follow, tu la vois toujours dans la story de Mich. Mais même en plus, j'aime bien Elsa, c'est une fille bien. Puis tu vas pas te marier avec. Non, je pense que j'ai fait les bons choix. Oui, c'est vrai, j'aurais fait bon la même chose. Je fais les bons choix. Peut-être que je me serais marié avec Elsa. Attends, y'a un mec qui toque. Tu veux tirer trois noms au hasard, toi? Vas-y, je veux bien tirer des noms. Je tire un nom au hasard. Eh, hey, y'a moi, Pau. Non. Alors, Dinor, GMK. Oh, Talsem, tu voulais que je le pioche. En fait, j'ai ruiné ta vidéo. Inox Tag. Ah bon, je l'ai mis? Non, Timout. Timout. Tu dois t'en marier avec et Dinor. Tu dois en non-follow un et tu dois en tuer un. Je me... Mais c'est mieux, tu dis, tu dois plus jamais parler de ta vie que unfollow. Parce que unfollow, c'est... En vrai, c'est... C'est la facilité. Bon, ouais. Oui. Alors, plus jamais parler de ta vie. Je me marie avec GMK, parce qu'en vrai, il est trop drôle. Ouais. En vrai, il est trop marrant. Et c'est un gars sûr, tu vois. C'est tu sais qu'il va pas te mettre de couteau dans le dos, même si les autres non plus. Hein, mais... Bah en fait, Dinor, je connais pas suffisamment, donc... Tu feras les mêmes mots. Je connais plus Timout, donc Timout, je unfollow. Timout, je unfollow et Dinor, je le tue. Je suis désolé. Non, en fait je le connais pas assez. Non, y a pas un follow, c'est que tu dois plus jamais parler de ta vie. Bah je parle plus jamais à Timout, je lui parle quasi pas. À toi. Moi je me marie avec GMK. En vrai c'est triste à dire, mais Timout aussi je lui parle jamais. Bah non, c'est pas triste, c'est pas ton ami. Ouais, comme ça. Ouais, voilà. Et même t'es plus proche de Dinor. Ouais voilà, donc je parle plus jamais à Timout. Et tu tues Dinor du coup? Ah bah non. Ah mais dans tous les cas t'en as un que tu parleras plus jamais. Ouais. Bah de toute façon quoi qu'il arrive les deux tu parles plus jamais. Bah, oui, bah c'est nul en fait, tu parles plus jamais. C'est nul. Follow. Viens, on trouve un autre truc. Un follow. Bah je follow Dinor. Un follow, c'est à dire tu lui fais une pseudo la gueule. Ouais, en mode et tu lui dis pas et tu le trouves comme ça du jour au lendemain. Il peut le mal le prendre quoi. Dinor alors. Moi je me serais marié avec GMK, j'aurais tué Dinor et comme toi voilà. Bah quoi qu'il arrive GMK tu fais franchement l'unanimité. Voilà. L'unanimité. L'unanimité frérot. Alors Mario. Oh. Oh. Léa et lui. Le grand JD. Moi je me marie direct avec Léa Louis. Hein. Pourquoi? Ah, parce que c'est une fille. C'est tout? Oui. Okay. Dans la logique, dans la logique. Tu te maries même pas avec Mario? Moi je me marie avec Mario direct. Mais... Moi j'ai un follow Mario, je follow pas. Moi? Si, je le follow sur TikTok. Je me marie avec Mario. Il va donner le smile pendant toute ta vie. Ouais, c'est vrai. Tu te réveilles, t'as le smile avec. Ouais. Je ne follow le grand JD. Parce que c'est pas grave. Parce que déjà, de un, il sait pas qui je suis. Et je vais pouvoir continuer à regarder ses vidéos. Ah ouais, elle nous fait une dissertation, la meuf. Et genre, elle nous explique bien pourquoi elle un follow. Léa et lui. Moi je sais pas qui c'est. Léa et lui? Voilà, je suis un boomer. C'est une TikTokeuse. On a parlé hier. Je suis jamais sur TikTok donc. Elle va pas danser avec les stars. Attends, mais ah oui, bah je tue Léa Louis alors. Parce que grand JD skiffe ses vidéos, je peux pas le tuer. Bah, c'est à dire qu'il y aura plus de vidéos. Ouais. De toute façon, c'est pas à moi de jouer. Tu casses les couilles, hein, tu vas jamais répondre. Mais les gars, le concept, c'est quand je pioche que je dis. Vous allez pas me la mettre. Tu t'es marié avec Andrea quand même. Tu t'es marié avec Andrea? Non, j'ai pas eu le papier. Si, si, il a dit. Oui, alors, Théodore, Angèle et Amine. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est dur. En vrai, je te dirais, je me marie avec Angèle. Hein. Parce que c'est une fille. Hein? Ouais, parce que c'est une fille. Fille. Bah, je suis obligé. Non, mais là, on fait le jeu comme s'il y avait les trois personnes. Là, les trois personnes, ils sont devant parce toi. Parce que sinon, j'aurais dit, je tue Angèle parce que je la connais pas. Ouais, ouais. Et j'aurais dit, bon, bah, je ne follow Théodore et je me marie avec Amine. Tandis que là, si j'imagine vraiment, il y a les trois et que je dois finir ma vie mariée à quelqu'un. Tu tues qui? Je veux des enfants plus tard. C'est-à-dire, je veux me marier avec Angèle. Angèle est lesbienne. Tu me dis, tu te maries. Ça veut dire que toute ma vie, je serai mariée. Oui, mais tu pourras pas avoir d'enfant avec elle? Bah, si. Bah, non, parce qu'elle voudra pas. Elle est lesbienne. Bah, si tu m'as mis le papier, c'est qu'elle est d'accord, elle est consentante. Hein. Je me marie avec Angèle, jeune follow Amine. Jeune follow Amine, mais c'est toujours mon gars. Ok. Ouais, mais Théodore, ça me fait chier de le tuer. C'est fini. Il n'existera plus. Je tue Théodore, mais je regardais les étoiles tous les soirs pour lui faire des bisous. Je vais regarder les étoiles pour lui faire des bisous. Non, mais t'aurais fait pareil ou pas? Tu aurais fait pareil ah, ou pas? Ah, bon, c'est pas moi qui ai pioché. Hein. On est d'accord, s'il y a une meuf, t'es obligé de te marier avec la meuf. C'est de la triche si je me marie. Je me suis marié avec Mario. Moi. Oui, mais il y avait trois mecs. Non, ils étaient mariés, il y avait Léa et lui. Ah ouais. Bon bah je me marie avec Amine. Je tue Angèle et je me follow Théodore. Ok. Mais j'ai un peu le seum parce qu'Angèle elle est vraiment jolie. Hein. Je me prends Amine à la place d'Angèle. J'ai un peu le seum. Joyka, pas de goût de cuisine que je regarde beaucoup. Okay. J'adore regarder les vidéos de bouffe. Et Néoxy. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a un dans les trois que je regarde pas du tout, c'est Noxy. Tu vas le fumer, lui. Lui, il va passer... Noxy, bah je le tue. Et Joyka, il fait de cuisine. Oh là là, elle sait très bien, mais elle fait genre de réfléchir. Non, je me marie avec Joyka. Okay. Parce qu'il est plus BG que Fastfood Cuisine. Ok. Et Fastfood Cuisine, je le follow parce que je continue à regarder ses vidéos. Moi, je trouve BG Fastfood Cuisine. Ah, mais il est BG aussi, hein. Les deux sont BG. Hein. Ah, mais de ouf, hein. Les trois sont BG, ouais. Mais enfin, je sucerais bien Fastfood Cuisine, ouais. Ah, mais il y a pas ce papier là. Alors, Shanli D'Amelio. Charlie D'Amelio. Charlie D'Amelio. Tu la connais bien, arrête. Ouais, tu la follow sur Seb Lafrite. C'est quand même dingue que Seb Lafrite, on l'appelle encore Seb Lafrite. Ouais.
Ouais. Lui, il veut plus qu'on l'appelle Seb Larkin, ouais. Mais tout le monde l'appelle Seb Larkin. Ah, il veut plus ? Bah, il se rename Seb, tu vois. Je me marie avec Charlie D'Amelio, je ne follow Seb Lafrite et je tue Nino. Il y aura plus de Nino ? Non. Plus jamais ? Non, mais... Il y en a déjà beaucoup. Tant qu'il y a PNL. Tu peux pas tuer Nino. Bah. Ah, si, le fait. Charlie D'Amelio, je peux pas la tuer. Et c'est la honte d'avoir un tout petit sgeg. Non, c'est pas la honte. Ok, ok. T'as un petit sgeg. Ouais. Elle va regarder avec un air dédaignable. Non, en vrai, les gars, acceptez votre zizi, même s'il fait 8 cm. Tant que ça touche le fond, c'est intéressant. Non. La taille, ça compte pas, c'est ce qu'on en fait. Viens, tu me donnes 3 noms là maintenant. Ta sœur, Pidi et Doc. T'es vraiment un enfoiré. Oh, tu dois en tuer un, ne plus parler de ta vie à un, et tu dois te marier avec un. Tu fais quoi? Bah déjà je me marie avec ma sœur. Après c'est non c'est un peu. Bah tu te maries avec ta sœur. Bah non mais logiquement en vrai tu peux savoir un peu ce qu'elle fait. Sa sœur c'est le sang, son mec voilà et après c'est Pidi. Tu souhaites longue santé à quelqu'un, richesse à l'un à l'autre. Ah ça c'est bien. Et ça. Malchance à quelqu'un. Ouf. Entre ma sœur Pidi et Doc. Bah, Pidi elle va avoir la malchance hein. Santé à quelqu'un ma sœur. Santé à sa sœur. Okay. C'est la santé c'est avant tout. Attention à ce que tu dis. Ah putain mais c'est trop dur. Ah oui, bah oui là il y a Pidi et après Doc. Malchance ne veut pas dire mauvaise vie en vrai. Hein. J'ai envie de dire malchance à Doc. Mais elle dit ça parce qu'il y a Val et il y a moi. Mais si elle serait avec sa sœur dans un salon, elle dirait Pidi. Pourquoi tu... Bah oui. Parce non, que là t'as peur. Mais bah tu non, fais mais Pidi, pas, hein, c'est fait la logique. Par nous. Les si deux... tu fais influencer par nous, parce que t'as peur. Non, parce que Pidi, je trouve que c'est une personne super et j'ai pas envie de lui sur... Bah Doc aussi, mais bon, genre. Bah, alors faut y faire plus, un choix. Tu vois, y'est plus. Ok, malchance à Doc, mais je serais tout le temps à côté de lui et je ferais toujours gaffe à lui. Destination finale. Il serait tout le temps accroché à moi et richesse à Pidi. Ok, alors, Andrea, Dua Lipa, c'est vraiment sa crush star. Et ta mère, tu dois coucher avec une, tu dois te marier avec une, et tu dois juste en embrasser une. J'embrasse ma daronne. De toute façon, j'ai déjà embrassé. Hein. Ouais, mais je sais ce que tu vas dire après. Ouais, du coup, il va coucher avec Dua Lipa. Je couche avec Dua Lipa. Ouais, c'est marié à l'être trop simple en fait. J'arrive avec des potes. Vas-y. Michou, okay. Ilyes et moi. Richesse. Richesse, santé et maladresse. Ta carte santé, tu la donnes à qui? Tu la donnes au plus vieux. Non, ma carte santé, je la donne, je pense, à Ilyes, je pense. C'est mon gars. Son gars. C'est-à-dire s'il peut vivre toute la vie, tant mieux. Ça, il a déjà 40 ans, je lui mets malheur. Et Michou, je lui mets richesse. Michou, il est déjà riche. Ah, sale bâtard. Michou, mais Valouz aussi, il est déjà riche. Non, en vrai, mec, je suis obligé de faire ça. Parce que si je mets malheur à Michou, il a 20 ans. Il va ouais, avoir du malheur toute sa vie. Et Valouz, il a 10 ans de plus, donc je suis obligé. C'est vrai qu'il a déjà 40 ans, Valouz. J'ai 30 ans, vous êtes sérieux ou quoi? Toi, t'aurais fait pareil. T'as un mec qui a 10 ans de plus. Ça veut dire que tu préfères que le plus jeune il ait moins de malheur. Ouais, j'avoue. Je serais toujours auprès de lui, comme t'as fait avec Doc. Je l'aiderais dans ses malheurs. À 24. Ah non, je pourrais pas. Franchement, je t'adore. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a. Non, mais même moi, je peux pas rester trop longtemps. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Et on espère que vous avez kiffé. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.